Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver à nouveau pour partager un petit moment coloriage avec vous. Et aujourd'hui donc on va parler haul et coloriage terminé. C'est parti! Alors tout d'abord je me suis pris quelques pochoirs sur le site AliExpress. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'ai pris d'autres ce mois-ci. Alors je vous en montre quelques-uns, je vais pas tous vous les montrer, je pense pas que ce soit forcément intéressant, mais j'ai dû en prendre à peu près une dizaine. Donc voilà, j'ai celui-ci par exemple avec des petits cœurs. J'ai celui-ci avec des petites arabesques. Et par exemple celui-ci, voilà, pour faire un petit peu un fond sirène. Donc voilà, je les ai pris chez le même vendeur sur AliExpress. Donc je vous mettrai le lien de sa boutique dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et je vais passer à la suite de mes achats. Alors j'ai passé une commande sur Craftelier et du coup j'avais très envie de tester ces petites choses. Donc en fait il s'agit de mousse de couleur. Donc j'en ai une rose et une arc-en-ciel. Je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. Voilà. Donc c'est une espèce de pâte en fait de couleur. Donc il faut bien mélanger quand même avant de l'utiliser. Hein. Là on voit qu'il y a du blanc avec des paillettes, mais voilà, il faut juste bien mélanger. Et puis je me suis également pris, hop, je vais pousser ça, du Glossy Accent. Voilà, donc ça on voit beaucoup passer sur les chaînes des copines. Voilà, c'est pareil, une espèce de pâte en fait, avec un embout assez fin pour l'appliquer, qui en séchant devient transparent brillant. Donc ça c'est pas mal par exemple pour mettre sur les bijoux. Et comme Anna Carlson nous fait beaucoup de bijoux, et ben, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'avoir ça. Donc j'en ai profité. Et donc j'ai fait quelques petits tests de tout ça sur une feuille, donc je vais vous montrer le résultat. Je sais pas si vous verrez bien. Là par exemple, voilà, avec un pochoir cœur, j'ai fait ça avec ma petite pâte arc-en-ciel. Bon, c'est un petit peu brouillon, j'ai eu quelques petits soucis, j'avais mon éponge qui était mouillée, donc tout a bavé, donc voilà, c'est normal. J'ai fait un petit test ensuite avec le rose, donc là vous voyez que c'est un peu plus net, hein, donc c'est pas le produit, c'était vraiment moi. Faut vraiment prendre le coup de main au début pour l'appliquer, c'est pas forcément évident. Donc ça brille beaucoup, hein, c'est vraiment super beau. Et le Glossy Accent, si j'arrive à vous montrer, la luminosité est terrible aujourd'hui. Hop, voilà, vous voyez que ça brille bien et que c'est transparent. Donc c'est vraiment super chouette. Je pense que je vais très vite l'utiliser dans les Anna Carlson, ce truc-là. Et enfin, dernier achat et pas des moindres, il s'agit de celui-ci, donc des Contes du Royaume de la Forêt de Anna Carlson, donc son dernier livre. Je vous en ai fait une présentation en vidéo, donc je vous mettrai ça dans le petit i juste en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu. Donc je l'ai recouvert avec des protections, voilà, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Et donc ce livre, eh ben, il est tout simplement magnifique, donc je suis très très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Voilà, donc c'est terminé pour mes achats, on va maintenant passer au coloriage terminé. Ça va être plutôt rapide puisqu'il n'y en a que deux. Ceux qui me connaissent savent peut-être que voilà, j'ai changé de travail, j'ai commencé un nouveau travail le 1er mars, donc avec un nouveau rythme. Donc ça a été un petit peu compliqué, je coloriais plus du tout en semaine, je coloriais uniquement le week-end, donc c'est pour ça que j'ai très peu de colos. Mais voilà, c'était pas une course, donc c'est pas bien grave. Je me suis dit que voilà, qu'il y ait qu'un seul colo ou qu'il y en ait 15 dans le mois, je vous les montre tout pareil. Donc le premier coloriage, il s'agit de celui-ci, donc il est issu du livre Set of Art de Mariola Budek. Je vous mettrai pareil tous les liens en barre d'infos. Et donc il a été fait pour le fond, enfin pour tout ce qui est bleu en fait, que ce soit les reflets sur la peau ou le fond, ça a été fait donc aux luminances. Donc j'ai quelques teintes que j'avais achetées à l'unité le mois dernier, donc je les ai utilisées ici. Il y a également une teinte de Black Widow que je souhaitais, donc que j'ai utilisée dans le pareil, tout ce qui est bleu dans le fond, etc. Ensuite pour la peau, donc tout ce qui n'est pas bleu, c'est du Prismacolor, voilà. Et puis pour tout ce qui est dragon et cheveux, donc j'ai d'abord sous-couché au crayon aquarellable, donc les Mandelous de Koinor. Donc je suis venue aquareller avec un orange très clair et un rouge très clair. Comme ça, ça permet d'atténuer vraiment le grain du papier. Comme ça on le voit un petit peu moins. Donc c'est une technique que j'aime beaucoup et que je réutiliserai. Et donc je suis venue passer au crayon Polychromos par-dessus, donc pour les cheveux et pour le dragon. Donc je vous montre un petit peu la différence, je sais pas si vous la verrez bien, mais en tout cas, voilà, par exemple pour la peau, sur le front, vous voyez, on voit encore les grains blancs du papier. Alors que sur le dragon, bah, on voit déjà beaucoup moins en fait. Voilà, donc je trouve que ça permet quand même pas mal d'atténuer, et donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que je vous recommande si vous voulez atténuer les grains du papier, c'est vraiment de passer d'abord à l'aquarelle et de venir passer au crayon par-dessus.
Donc le prochain coloriage est le dernier, il est issu du Magical Dawn de Anna Carlson. Donc vous le savez peut-être, c'est un livre que l'on avance ensemble avec 10 autres coloristes, donc nous sommes 11. Et si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre en mettant le hashtag colorions ensemble Magical Dawn, je vous le ferai défiler ici. Donc en postant votre coloriage sur Instagram avec ce hashtag, comme ça on pourra voir tous vos coloriages. Et donc ce mois-ci, on a colorié une page qui est... Hop, voilà, celle-ci. Donc des champignons avec une petite maison. Voilà, moi je voulais donner un aspect très, très forêt avec des teintes assez naturelles. Du bleu pour le ciel, du vert, du marron. Enfin voilà, je voulais rester vraiment dans des teintes assez naturelles, mais en étant éclatante. Donc du coup, j'ai utilisé pour le fond, pareil, des Monde des Loos de Koinor pour passer une base d'aquarelle. Par-dessus, je suis venue passer au Arteza, donc pour faire mes petits rayons lumineux. J'ai ensuite fait tout ce qui est herbe ici, tout ce qui est vert là, ici et là pour la porte. Il s'agit de Black Widow. Ensuite, tout ce qui est bois, donc tout ce qui est maison, il s'agit donc de Derwent Intense et je suis venue passer par-dessus au Polychromos. Ensuite, les champignons, tout ici, tous les petits champignons, il s'agit de Derwent Intense et tout ce qui est beige, donc pour les petits troncs des champignons ici, il s'agit donc de Mandelux de Koinor. Donc là, j'ai juste fait à l'aquarelle et je ne suis pas venue passer au crayon par-dessus. Tout ce qui est ensuite mousse, il s'agit de gouache, voilà, donc j'avais les couleurs primaires en gouache, donc du jaune, du rouge et du bleu, et je suis venue faire des petits mélanges pour avoir différentes teintes de vert, et avec un pinceau, je suis venue tapoter comme ça sur mon coloriage. Donc je trouve que ça donne un côté assez éclatant, en plus la gouache est très opaque, donc du coup ça fait vraiment bien ressortir les couleurs je trouve. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près, alors voilà, donc on a ici la maison. Donc j'ai essayé de faire un petit effet bois avec du polychromos, voilà, en faisant des petits traits. Sur mes vitres j'ai mis des petits traits blancs donc de Posca, donc du Posca blanc. Voilà, mes cristaux, pareil, un petit peu de Posca aussi. Je les ai fait au Black Widow, comme l'herbe. Et puis, tout ce qui est champignons, voilà quoi. La petite mousse. Voilà, et donc j'ai fait des petits points un petit peu partout pour apporter un petit peu de luminosité à ce coloriage. Donc j'ai fait ça avec de la gouache blanche, voilà. Donc je mets de la gouache sur mon pinceau et puis je tapote comme ça avec mon pinceau. Et du coup, ça fait plein de petites éclaboussures blanches. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans des coloriages comme ça, quand je veux apporter un petit peu de luminosité, ou même dans des fonds galaxies. Je trouve que ça fait les petites étoiles et c'est vraiment... je trouve que c'est vraiment une super technique qui rend vraiment très très bien. Et donc le prochain coloriage dans le Magical Dawn pour le mois en cours, donc pour le mois d'avril, je vais vous l'afficher juste ici parce que je l'ai déjà commencé. Donc voilà, je vais vous le mettre juste là. Donc il s'agit de la pomme avec un diamant à l'intérieur. Donc voilà, si jamais vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas à le faire. Et à le mettre donc sur Instagram avec le hashtag colorions ensemble Magical Dawn. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, vraiment ça nous fera super plaisir. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages, je vais vous laisser ici et je vous dis à très bientôt. Des bisous.